Rire et Chanson, le top de l'actu. C'est le top de l'actu de Marie Reynaud qui fait sa rentrée aujourd'hui. Bonjour Marie. Salut tout le monde. Bon alors, c'est vacances Marie. Tu peux me refaire le pompe-up? Excellente les vacances, elles étaient bien. Longues et chaudes. Très bien, tu es partie où? Eh ben, je suis partie faire un petit tour de l'Europe et je voulais vous raconter mon périple. Vas-y, on t'écoute. Ouais. J'ai rencontré Paolo sur la route de Barcelone. Je lui dis, l'Espagne pour moi c'est nouveau, je n'y connais personne. Il me dit, je ne suis pas guide touristique, mais pour toi la chica, je mettrais bien mon chorizo magique dans le fond de ton plat à paella. Je lui dis, écoute-moi, jeune matador, je n'ai pas besoin de toi pour me faire tamponner le passeport. Les amateurs de métaphores se régalent. Tu m'étonnes. Alors j'ai changé de pays et dans la belle ville de Rome, je sympathise avec Luigi, un très beau jeune homme qui veut bien vite me faire voir le plus beau monument italien, sa tour de Pise, me dit-il avec les mains. Dans des positions qui très certainement ne se pratiquent pas au Vatican. Enfin, ça dépend. Dans un souci d'intégration, je lui mime à la mode florentine que non, il ne visiterait pas ma chapelle Sixtine. Ah, il faut connaître Rome. Une Française à l'étranger doit savoir expliquer que ce n'est pas parce qu'elle fait volontiers découvrir le French Kiss qu'elle est aussi hospitalière de l'entrecuisse. Ensuite, j'ai rencontré Gunther. Il avait des chaussettes dans ses birques. Il me dit avec fureur, ah, tu me donnes à une grosse trique. Il me propose un accord franco-allemand, un échange de culture qui fut un temps m'aurait coûté ma chevelure. Allez suivre les cours d'histoire. Je lui dis, nous ne sommes plus en guerre, ça, y a aucun doute, mais non, tu ne planteras pas ta fourchette dans ma choucroute. Guten Appetit. Une Française à l'étranger doit savoir expliquer que ce n'est pas parce qu'elle se fait volontiers une bonne saucisse de morteau qu'elle est adepte du tourisme de la chipo. Alors je suis rentrée à Paris, ville de l'amour, où le serveur, toujours pressé, ne dit jamais bonjour. Ce dernier me fait payer 8 euros le café, c'est ce qui s'appelle en bon français se faire baiser. Et traversant la route, je me fais monter en l'air par un conducteur vénère qui me crie, hey, va niquer ta mère. Moi qui suis une gentille fille, je suis prise d'émotion. Oh, tant que ça reste en famille et que ça se passe à la maison. Car il n'y a que chez elle que la bonne chauvine se prendra sans broncher une bonne pine. Et vive la France. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Bah figurez-vous qu'il y a des vidéos là, et puis là, et puis surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Rire et Chanson, là.